Donc, j'en profite pour débuter le forum sur les enjeux de la télédétection. Bonjour à tous, Richard Fournier, ceux qui m'ont pas entendu ce matin, professeur au département de géomatique appliquée ici à l'Université de Sherbrooke. On a pensé faire un forum sur les enjeux de la télédétection parce que on croit, bien sûr, quand on est dans un milieu, on pense que notre milieu c'est très important, mais on croit que beaucoup de gens utilisent la télédétection et que, bien sûr, vous seriez très intéressé d'entendre les enjeux et vous rendre un petit peu plus compétent sur les aspects de télédétection pour mieux aller chercher l'information. Souvent, je me plais à dire que, comme géomaticien, mon métier, c'est un peu le métier de détective, un télédétective, parce que justement, c'est mon but dans la vie d'aller chercher l'information avec les capteurs, avec les moyens du bord, que ce soit des capteurs terrestres, des nanocapteurs, des satellites. En fait, c'est mon métier d'aller chercher l'information. Mais la télédétection fait partie maintenant de notre vie, comme chercheur, comme responsable de projet, parce qu'on veut aller trouver l'information la plus susceptible de nous aider dans nos recherches. Je vous mentionne ça que c'est l'idée de faire un forum sur les enjeux de la télédétection provient de l'Association québécoise de télédétection, AQT, comme vous le voyez ici. C'est l'Association québécoise de télédétection est un peu au carrefour de ces demandes-là en télédétection. Et on a remarqué que c'était important. On a décidé de faire toute une série de forums sur le sujet avec différents milieux disciplinaires, dont la foresterie aujourd'hui, mais aussi l'agriculture, les milieux urbains, l'hydrologie, parce que c'est un besoin fréquent partout que l'on a besoin de l'information et on a recours aux télédétectives, bien sûr. Souvent aussi, on veut s'improviser télédétective et c'est là que vient le danger aussi, mais par contre, on a une possibilité d'avoir de l'accompagnement. Souvent, les attentes sont grandes, les attentes lorsque on a des données de télédétection, qu'on veut acquérir des données de télédétection, on a un petit peu une idée un peu fantasmagorique, comme de quoi avec les drones, on va aller chercher une information tellement puissante, intéressante et détaillée. Et lorsqu'arrive la donnée, on se retrouve devant une difficulté, devant beaucoup d'obstacles. Et puis, le but du forum, c'est justement de nous rendre un petit peu éveillés à ces enjeux-là, éveillés aux difficultés qui sont dans toute la chaîne depuis le début de la pensée à un projet, jusqu'à trouver nos solutions, à trouver les réponses ou l'information que l'on cherche. Alors, dans un premier temps, je vais vous peut-être mentionner le format de ce forum-là. D'abord, je vais vous présenter un petit peu une mise à niveau, 8 à 10 minutes, au sujet de c'est quoi les enjeux vraiment en télédétection, c'est quoi les éléments qui sont présents et à quoi en fait on face parce que la technologie change très vite. Or, très vite, on se demande, mais qu'est-ce qui est opérationnel, qu'est-ce qui est disponible, et qu'est-ce qui est fabulation et science-fiction. Fait que de ce type-là, peut-être mettre un petit peu les cartes sur table sur les éléments de base. Et puis ensuite, je vais passer la parole, on va avoir trois autres panélistes qui vont nous présenter une certaine perspective, certaines problématiques, certains enjeux de leur perspective, et ouvrir un petit peu la discussion avec vous dans la salle pour un peu dialoguer du sujet. Fait que je vais vous présenter mes invités après ma présentation, alors qu'ils vont venir ici. Fait que suite à ça, bien sûr, ça va être de simplement ouvrir la discussion avec vous, avec la salle, avec de voir c'est quoi vos intérêts, vos questionnements, et puis à la lumière de ce qu'on a dit, bien, comment cheminer dans tout ça, quels sont les moyens d'arriver avec un développement de compétences et un moyen d'avoir des solutions pour l'information que l'on recherche, pour faire vous-même votre propre démarche de télédétective. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler de la télédétection, une présentation ici que j'ai préparée avec Meghana Paranjap, que je remercie aussi pour m'avoir appuyé à ce sujet-là. Pourquoi la télédétection? Bien sûr, parce qu'on a toujours besoin d'informations et les satellites, les images par avion, les capteurs, les senseurs qu'on en a un peu partout vont nous aider à trouver cette information-là, qui est critique pour ensuite cheminer dans notre projet. On en a besoin, bien sûr, pour d'abord faire des cartes d'occupation du territoire, des produits dérivés, des cartes de biomasse, par exemple. On voit Forêt ouverte nous propose toutes sortes de cartes
Bien sûr, la télédétection est beaucoup utilisée aussi pour les études de changement ou aller plus loin dans la compréhension des éléments physiques qui nous entourent, en particulier la forêt. Et je vous mentionne que, bien sûr, depuis qu'on a le LIDAR, on est en train de capter la forêt d'une façon beaucoup plus intime, disons, parce que, justement, on voit la structure en 3D. Eh bien, en foresterie, bien sûr, d'abord et avant tout, on remarque les cartes au niveau du paysage. On voit bien sûr les produits avec Landsat TM qui sont là depuis des années. Depuis les années 84, on a des données qui sont disponibles, des l'imagerie. Ça nous permet de faire beaucoup d'analyses temporelles depuis ces années-là. C'est quand même pas négligeable. Ceux qui veulent le faire avant, il y avait aussi Landsat MSS. C'est un petit peu un défi parce que c'est vraiment comme des transparents acétates qui étaient traduits numériquement, puis la radiométrie était pas très bonne. Donc, si vous faites des analyses temporelles depuis 84, il y a de la donnée normalisée, gratuite. Et ben merci au gouvernement américain, c'est rare qu'on dise ça, mais ils nous donnent de la donnée gratuite et normalisée, imaginez-vous. Ils ont devancé le bal à l'époque où le gouvernement du Canada était très réticent à donner la donnée gratuite, mais maintenant le gouvernement du Canada, bien sûr, suit le pas aussi. Donc, le gouvernement américain se disait, si c'est payé par le gouvernement au début, bien, ça appartient à tout le monde, et voilà, c'est maintenant disponible. Et il y a beaucoup de vécu dans les données au niveau du paysage. On est rendu maintenant avec des imageries au niveau de l'ordre de 20 mètres, de 10 mètres. On peut faire des cartographies du Québec, du Canada. Donc, on s'est habitué à ces produits-là comme si de rien n'était. Google Earth nous a rendu ça bien facile, comme si de rien n'était, mais il y a beaucoup de vécu à travers ça. Et on peut voir beaucoup de données qui, pour nous, sont naturelles et disponibles. Mais on va aller souvent beaucoup plus loin que ça. On va aller aussi au niveau local. Donc, avec l'imagerie de 5 mètres à 30 mètres, des choses qui sont beaucoup plus locales. Donc, au gouvernement du Québec, comme en Nouveau-Brunswick aussi, on a adopté le forel, imaginez, un nouveau terme de vocabulaire. Il y a le pixel, qui est le carré d'imagerie, mais le forel, c'est le pixel forestier, parce que c'est donc une dimension de 20 mètres par 20 mètres, adoptée. Cinquième décennale va adopter des cartographies mur à mur du Québec, avec 20 mètres par 20 mètres de pixel, avec l'information à l'intérieur, densité, essence par proportion et ainsi de suite. C'est le défi qu'ils ont entrepris. Or, la technologie est prête à le rendre. Les télédétectives sont au rendez-vous et ils fournissent cette information-là. Je vous donne donc des cartes de diamètre, de hauteur, densité de couvert, volume marchand, biomasse. Ça va devenir tout monnaie courante parce que on est rendu là, ça va très bien. Il y a une approche, un petit mot ici technique, area-based approach. C'est l'approche zonale qu'on appelle en français. Ça veut dire qu'on prend une zone de 20 mètres par 20 mètres et on regarde toute l'information associée à cette espèce de cône-là ou de colonne d'information-là. Parce que bien sûr, on a la donnée LIDAR qui va nous renseigner encore plus. Or, avec les technologies, les méthodes que l'on a, les télédétectives font un bon travail à trouver les volumes, les biomasses et poser d'autres questions. C'est vraiment très mature et puis c'est le genre de technologie puis de questionnement qui est vraiment adéquat. Maintenant qu'il se fait bien. Où est-ce que la foresterie s'en va avec la télédétection? Bien sûr, c'est à l'arbre près. Le LIDAR nous permet de faire ça. Le LIDAR à haute densité, les LIDAR terrestres, et aussi l'imagerie à très haute résolution, à quelques centimètres. Donc, on est rendu à... Là, il faut faire attention. Il ne faut pas que je survende la télédétection. Il faut que je vous dise qu'on est rendu là. On développe les méthodes, mais ce n'est pas encore... opérationnel à ce moment-ci. Et c'est pour ça que faut quand même penser que les télédétectives vont aller dans cette direction-là, identifier les arbres individuels, d'ailleurs pour l'avoir essayé sur des données haute résolution, segmenter des arbres, surtout des feuillus, c'est beaucoup de travail. Ça ressemble à un brocoli vu d'en haut, puis essayer de trouver les différentes portions du brocoli, là, c'est de l'anatomie avancée. Donc, on est rendu là, mais on va se trouver des méthodes pour réussir à déterminer des attributs beaucoup plus en profondeur. Et puis, quelles sortes de questions qu'on doit se poser quand on veut faire, quand on est télédétective? Pour une vieille joke, maintenant que la petite vie ne roule plus depuis longtemps, le steak d'Hélène Patate du télédétective, c'est
la résolution spatiale, la résolution spectrale et la résolution temporelle. Les trois éléments qui sont fort importants lorsqu'on veut aller chercher de l'information, on se pose des questions à savoir, mais quelle sorte de résolution on veut? Est-ce qu'on la veut fine ou est-ce qu'on la veut grossière? Or, il y a un péché mortel ici, comme télédétective, c'est de toujours vouloir la donner la plus fine possible. C'est tout à fait faux. Il faut aller la chercher dans la meilleure ligne de compromis pour trouver nos objets. L'aspect temporel, quand est-ce qu'on voit le phénomène de la meilleure façon? Et spectral, bien sûr, c'est la couleur dans le visible, mais la couleur dans toutes sortes de spectres. On va regarder ça un petit peu plus en profondeur. Donc, la résolution spatiale, bien sûr, ça va dépendre du capteur, ça va dépendre du spectre. Les satellites nous fournissent maintenant des données à 30 cm. C'est quand même incroyable. Il y a des constellations qui vont passer. Les constellations nous permettent, par exemple, avec PlanetScope, de voir un endroit sur la Terre tous les jours, ce qui est quand même incroyable, c'est chose qui ne se faisait pas avant. Bien sûr, c'est pas des résolutions spectaculaires et des images de très haute qualité, mais quand même, c'est quand même un grand exploit. Ça fait beaucoup de cochonneries dans l'espace, vous me direz, je suis absolument d'accord. Il va falloir voir à notre poubelle spatiale bientôt, mais pour l'instant, disons qu'il y a moins de soucis là-dessus. Au-delà de ça, bien sûr, il y a la donnée aéroportée. La venue, bien sûr, ça fait quand même très longtemps qu'on utilise des données de télédétection à partir des avions. Bien sûr, il faut penser aux désavantages parce qu'au-delà des avantages où on peut avoir des bonnes résolutions très, très fines, on peut couvrir un grand territoire avec un avion, chose qui est très intéressante, mais les coûts sont généralement assez élevés. On réduit un petit peu les coûts avec les drones, mais il faut quand même penser que ça couvre un bien moins grand territoire. Donc, proportionnellement parlant, ça dépend de ce que l'on veut. Il y a des complications technologiques. Ceux qui ont crashé un drone ont bien su que faut faire très attention. Il y a quand même des particularités à vraiment réfléchir. Et puis, mais voyez-vous, ça fait toute une gamme de solutions de la mesure terrestre au drone, l'aérien et puis au satellitaire, avec des résolutions temporelles, spatiales, spectrales très grandes. On a un grand spectre en télédétection pour les bandes. On peut prendre, bien sûr, on connaît le visible parce que nos yeux nous ont habitués à ça, mais l'infrarouge thermique, tout ça, ce sont des bandes que nous, on ne voit pas, mais qui nous offrent une information qui est fort intéressante. Le radar en foresterie, c'est toujours un peu mitigé, mais si on veut voir c'est quoi l'eau en dessous de notre végétation, bien là, il faut faire affaire au radar, parce que lui va voir la quantité d'eau. Mais il y a une arme de destruction massive, je ne sais pas si j'ai enregistré, je pense qu'on va envoyer l'FBI contre moi, mais les armes de destruction massive en télédétection, c'est le lidar. Le lidar, parce que d'un coup, on est passé d'un paradigme d'une image 2D, différentes bandes, à, tout à coup, un nuage de points 3D. Or, ça l'a fait exploser la capacité d'interprétation, d'aller chercher de l'information. Le lidar, bien sûr, là maintenant, on est en plein far west du lidar. Graduellement, on augmente l'intensité. On voit avec des nouveaux capteurs terrestres, mobiles, pour aller chercher l'information. En milieu urbain, c'est une vraie explosion, en génie civil aussi. Il y a aussi, pour aller chercher le 3D, bien, Surface on Motion, c'est la photogrammétrie qui est très utile et qui nous offre une option intéressante, même si on voit seulement la surface de la végétation. S'il reste que, par exemple, le gouvernement du Québec s'est posé la question, si on prend des données LIDAR de référence et que quelques années après, bien, on prend juste la surface avec la photogrammétrie, ça offre une opportunité fort intéressante. Et il y a aussi, bien sûr, l'interférométrie radar qui nous permet d'avoir la même chose, des bonnes surfaces. Mais là, voyez-vous, on a des données, on en a plus que l'on peut en digérer, mais il faut faire attention, et c'est souvent là que le géomaticien se fait tabasser, c'est que, bien, des fois, il y a des corrections atmosphériques, il y a des normalisations à faire, il y a la géorectification des données à faire pour assurer que toutes les données soient conformes les unes aux autres. Ça paraît banal, ça paraît vraiment moche comme job. Le géomaticien est très d'accord à faire ce job-là, mais il faut pas négliger, et c'est souvent très négligé par ceux qui ne connaissent pas la télédétection. Or, c'est la base. Une fois qu'on a une bonne donnée géoréférencée, normalisée, on peut commencer le boulot, et là, on se pose des questions sur les méthodes.
quelles sont les méthodes qu'on va choisir? On connaît bien les indices spectraux. Par exemple, le NDVI, je ne l'écrirai pas, mais les îlots de chaleur que l'on voit, les cartes d'îlots de chaleur, c'est des cartes d'NDVI, en réalité, qui ont été transformées avec une petite équation, un petit modèle. Il y a aussi d'autres indices comme le BASI, etc. Et ça, il y en a toute une ménagerie d'indicateurs que l'on peut utiliser. Au-delà de ça, on s'habitue aussi d'utiliser des données multisources et pouvoir... je pense que je suis allé en arrière. Oui, c'est ça. Multisources, ça veut dire qu'on a des données de toutes sortes de sources. Il faut les mettre ensemble pour pouvoir aller chercher l'information. Et là, c'est un vrai défi. C'est là où les géomatriciens peuvent vous aider beaucoup. Mais en même temps, il faut réfléchir à l'avance de savoir comment on veut avoir les données ensemble, quelles sont les contributions de chacune et quels sont les résultats que l'on va avoir. Je voulais vous présenter tout ça parce que vous savez ici, si vous regardez à votre gauche, les espèces de bulles, chaque couleur est une thématique. Alors, je ne pense pas que vous êtes capable beaucoup de lire. Chaque bulle est une thématique et chaque thématique rejoint des résolutions spatiales, et spectrales et temporelles qui sont différentes. Or, il faut respecter ces choix-là, trouver la ligne de compromis et établir à partir d'un choix qui va être fait, qui va être judicieux, de trouver une méthode qui va correspondre avec ce que l'on veut trouver comme information. Donc, il y a des grands défis, il y a des choix, il y a au-delà des méthodes, donc adapter les objectifs, on va vous parler de ça. Fait que à travers tout ça, je ne sais pas si j'ai tenu dans mon 8 minutes, peut-être un petit peu plus, mais somme toute, vous voyez que j'ai peut-être relevé des éléments importants. C'est très important, par exemple, de penser à notre sphère des naines patates, spectrale, spatiale, temporelle, parce que ces trois éléments-là, si vous y pensez d'abord et vous fixez ces éléments-là, ça va vous mener beaucoup plus rapidement à vos réponses. Et ensuite, les méthodes et tout le tralala de la normalisation, ça va aboutir. Eh bien, voilà, c'était la petite introduction à la télédétection. Vous voyez que c'est pas très simple. Il y a beaucoup de science-fiction là-dedans quand même. Je voyais des films et puis je me disais, ah oui, ils sont pas capables de faire ça. Je sais pas, c'est Ennemi de l'État, par exemple, qui suivait les malfaiteurs avec des satellites. Mais oui et non. Vous savez, c'est toujours à la limite la reconnaissance faciale, c'est le deep learning. On est beaucoup, beaucoup à la limite de la science-fiction et souvent, ça fonctionne de façon opérationnelle. En particulier, le deep learning, l'apprentissage profond, c'est fort intéressant de voir qu'on a des bons résultats alors que les analyses classiques fonctionnent mal. Mais en même temps, où est-ce que ça va? Il faut être vigilant. Et puis, je vous ai parlé comment est-ce qu'il y a des satellites en haut. Ben, je pense qu'il va falloir penser à faire un ménage à un moment donné. Mais à partir de là, ben, voyez-vous, ça ouvre la table pour que je vous présente nos panélistes qui vont augmenter un petit peu les éléments de discussion que j'ai abordés. Donc, en premier lieu, je vous présente Jean-François Bourdon. Jean-François Bourdon, qui est de la direction de l'inventaire forestier, malgré que c'est marqué DRF, et c'est en remplacement d'Antoine Leboeuf, parce que pauvre Antoine, il a la grippe. Bien sûr, ceux qui ont des jeunes enfants savent que c'est des vecteurs très puissants de virus. Donc, Jean-François, on le remercie, remplace donc Antoine à pied levé. Il y a aussi Maude Pelletier. Maude Pelletier, qui est présidente de MVT et de deux compagnies, MVT et de Balco Tech. Donc, deux compagnies qui voient l'acquisition des données avec des capteurs drones, avec des capteurs LIDAR, multispectraux, et à l'accompagnement aussi de ceux qui font affaire avec leurs services pour justement se démêler dans les aspects complexes de la télédétection. Et ensuite, il y a Nathalie Perron. Nathalie Perron, qui est directrice de bureau de projet et de formation au CERFO, le Centre d'études et de recherche en forêt, voilà, je l'ai correct, qui, bien sûr, pour ceux qui les connaissent, sont à Québec et font beaucoup de transferts technologiques. Fait que, suite à ça, bien, je passe la parole peut-être à Jean-François. Jean-François, bien, je te pose la question, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que je relève certains sujets qui sont... assez particulièrement des enjeux. Ben effectivement, tu as volé certaines choses dont je voulais parler, dont certains d'entre nous voulions parler. Donc on va les rementionner. Parmi les enjeux qu'on voit en télédétection, en tant que représentant du ministère, c'est une perspective, nous, de fournisseurs de produits dérivés de télédétection. Donc, on est non pas
on est un peu utilisateur, mais pas utilisateur final nécessairement pour certaines choses, mais on prend un peu de données brutes, donc c'est un peu cette perspective-là que je vous parle aujourd'hui. Parfois, quelque chose qu'on voit, c'est justement une survente. Donc, une survente de qu'est-ce qu'on peut faire avec la détection. On voit des films, on voit tout ce qu'on devrait peut-être être en mesure de faire. Puis, des fois, faut tempérer un peu les attentes de gestionnaires qui ont peut-être des fois des attentes un peu trop irréalistes de ce qu'on pourrait faire avec la détection. Donc il y a ça comme qui est un enjeu pour nous, donc de bien peser le pour et le contre, de voir c'est quoi qui est réaliste en fait d'effectuer. Puis dans ça, il y a parfois aussi un passage au niveau opérationnel qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a la recherche qui fait des choses extraordinaires, mais après ça, quand on veut l'appliquer à un territoire qui est beaucoup plus vaste, des fois on se met à rencontrer un paquet de problèmes qui n'ont pas été du tout vu lors de la conception originale. Donc, il y a cette partie-là aussi. Ça peut que la recherche dise vrai, mais que le saut à la personnalisation est une autre étape qui demande peut-être aussi autant d'efforts et donc aussi autant de temps. Donc, il y a cet espace-là entre la découverte et évidemment l'application qui est un enjeu. Quelque chose d'autre aussi, c'est pour nous, en tant que producteurs de produits dérivés, donc de télédétection, un enjeu qu'on a parfois, c'est d'avoir de la rétroaction sur notre produit, sur qu'est-ce qu'on diffuse. On sait qu'on rejoint un certain besoin, on a des intuitions sur de quoi les gens ont besoin pour faire leur travail. Mais une fois qu'on relâche nos données, surtout là, nous on vend pas les produits, on met ça sur Internet en données ouvertes, donc n'importe qui le télécharge, on sait pas qui le télécharge. Parfois, on n'a pas d'informations finalement sur ça sert-tu réellement. Les gens le téléchargent, mais est-ce qu'ils l'utilisent ou ça reste le disque dur finalement? Puis bon, ça va pas plus loin que ça. Donc pour nous, c'est difficile parfois ça, donc, d'avoir de l'information pour ajuster certaines choses. Mon collègue que je remplace appelle ça le trou de balayeuse. C'est-à-dire qu'on met quelque part de l'information, c'est aspiré, on envoie ça dans le trou de balayeuse et on a rarement dépendant ça, des retours pour nous aider à améliorer certaines choses. Parce que dans certains cas, ça demande pas tellement beaucoup de choses pour répondre à un besoin d'un utilisateur final. Parfois, ça peut être un produit intermédiaire qu'on génère déjà, mais qu'on n'a pas pensé qu'il pourrait servir à quelqu'un. Donc, on le supprime et on le diffuse pas. Mais si on a de l'information comme quoi faire finalement tel produit pour mon utilisation en agriculture, en foresterie ou peu importe, ça serait intéressant. Ben, peut-être que c'est pas très coûteux finalement pour nous de aussi le rendre disponible ou de formater différemment une donnée. Donc cet échange-là avec les utilisateurs, pour nous, c'est un enjeu d'avoir donc plus d'informations avec les gens. Et un dernier enjeu qu'on voyait, c'était vraiment la relation, c'est important d'avoir une communication efficace avec les chercheurs et les praticiens, ou dans notre cas, les chercheurs et le gouvernement avec les utilisateurs finaux, pour essayer d'avoir des solutions qui répondent réellement à un besoin de la connaissance fondamentale. Bon, c'est important, mais quand on veut avoir vraiment quelque chose qui sert immédiatement et pas seulement dans 10 ans, ben avoir un lien plus efficace avec toute la chaîne, dans le fond, d'utilisateurs, donc de producteurs, de découvertes jusqu'à l'utilisateur final. Pour nous, c'est un enjeu qui est important. Donc, on a certains projets qui, des fois, se déroulent pas très bien parce que finalement, on n'a pas réussi à créer cette bonne communication-là, et d'autres, où ça va très bien, ça se déroule très, très rapidement parce que justement, on a pu avoir beaucoup d'échanges et vraiment travailler en partenariat. Puis moi, à fond, si on y va avec une question d'ouverture chacun, moi, je serais intéressé à vous entendre sur, à fond, est-ce que vous avez l'impression que vos travaux, pour ceux qui travaillent plus en télédétection, arrivent suffisamment à être utilisés par les praticiens? Est-ce que vous avez l'impression que vos travaux réussissent à percoler sur le terrain, ou bien vous semblez aussi voir un trou, où est-ce que vous faites votre recherche, vous le publiez, puis que ça ne semble pas être utilisé par les décideurs autour de vous au Québec ou ailleurs? Ah, j'ai oublié de vous dire que si vous voulez poser une question, levez votre main et puis il y a quelqu'un avec un micro qui va se présenter près de vous. Une question?
En fait, ma question est que je pense que tu l'as mentionné, et on produit une donnée de haute qualité avec une série d'informations donc très importantes. Mais souvent, de l'autre côté, on a des gens qui essaient d'adapter les 8 méthodes en actualisant juste la donnée, mais pas en changeant leur méthode de travail. C'est-à-dire, pas en utilisant nécessairement la maximisation de bénéfices qui tirent la nouvelle information. Est-ce que tu vois ça aussi? C'est-à-dire que on vient d'une vieille école, on travaillait avec des cartes colorées, et tranquillement, la carte colorée est devenue une carte avec un paquet d'informations, mais on continue à travailler un peu comme si on avait une carte colorée. Je ne sais pas si tu m'expliques. Oui, ben, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit, puis c'est le problème, c'est qu'on est humain. On a appris à travailler d'une certaine façon, puis en vieillissant, c'est difficile d'adapter des nouvelles approches. Donc oui, on le remarque qu'à certains endroits, il y a une réticence au changement. Richard a beaucoup parlé du leader, des cartes qui sont diffusées. C'est pas tout le monde qui a commencé à utiliser ça dès la première année qu'on a commencé à mettre des produits dérivés. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas vraiment au leader, qui ne croyaient pas que ça pouvait vraiment apporter un bénéfice, que la carte, c'était pas vrai. L'ancienne couche qu'on utilisait justement depuis 20 ans avant, je sais comment elle marche, je suis habitué avec, j'y fais confiance. C'est un nouveau produit qui sort, je suis pas certain, je préfère le mettre de côté. Donc ça effectivement, des fois, ça prend un bout de temps aussi avant de convaincre les gens que oui, ça vaut la peine d'utiliser cette nouvelle information-là. Ouais. Oui, mais oui, effectivement, le défi d'information, puis justement, il y a un autre panéliste qui va davantage en parler de ce défi-là. Oui. Je voudrais relever un petit exemple fort, fort pertinent de ce que Osvaldo suggère. C'est que, par exemple, le gouvernement du Québec a choisi de faire son forêt à 20 mètres, c'est tout à coup une représentation raster de toute la forêt du Québec qui va être proposée à 20 mètres par 20 mètres. Mais les plus vieux old-timers comme nous autres se disent, mais où sont les peuplements? Découpe-moi les peuplements dans ça. Moi, je suis habitué de voir des peuplements. Or, quand on regarde de plus près comme chercheur, on se rend compte que la notion de peuplement va changer selon la perspective que l'on a du peuplement. Et à ce titre-là, bien le forel et le raster de uniformiser à 20 mètres par 20 mètres donne l'occasion aux gens de dire, bien, moi, avec ma définition du peuplement, bien, je vais lancer mon algorithme, ma méthode, et puis je vais définir quelles sont les limites des peuplements telles que je l'entends. Et puis, c'est vrai pour ceux qui se préparent à la coupe, c'est vrai pour ceux qui se préparent à la conservation, et ainsi de suite. Fait que vous voyez que quand on est venu à penser à changer l'élément cartographique, on s'est dit, vaut mieux uniformiser de façon égale pour tout le monde avec l'élément le plus fin d'intérêt, pour ensuite rentrer les définitions qui vont être très diverses et on n'aura pas à gérer ça. Fait que c'est un exemple qui vous donne le pouvoir d'affiner la télédétection, mais de vous permettre d'avoir vos propres objectifs à l'intérieur de ces outils-là. Donc peut-être qu'on peut passer la parole à Maude pour une perspective selon l'entreprise privée qui a besoin de guider les gens vers l'acquisition et l'usage des données de télédétection. Parfait, merci Richard. Donc, tout d'abord, je veux juste redéfinir un petit peu. Moi, je suis la fondatrice de deux entreprises. La première, c'est vraiment une entreprise qui se spécialise en captation de données géospatiales, okay, par des drones principalement. Dans le fond, c'est notre gros core business, c'est les drones pour la captation, que ce soit des données LIDAR, RGB et autres. L'autre compagnie, c'est une compagnie qui construit des capteurs. Donc, c'est vraiment une compagnie manufacturière qui construit des capteurs LIDAR, et également des capteurs pour faire de la photogrammétrie. Donc, c'est une expertise qui est intéressante parce que on avec la compagnie qui fait du service, ben on sait c'est quoi qu'on va obtenir comme précision, comme résolution avec tel type de paramètres, avec telle configuration de capteurs, ce qui nous permet d'avoir une bonne compréhension des opérations terrain aussi pour le traitement de la donnée, puis c'est quoi les livrables finaux qu'on va obtenir. Dans l'autre côté, la compagnie manufacturière, bien, elle recommande des produits en fonction du besoin des clients. Donc, au départ, hein, un client arrive, puis il nous arrive avec un besoin initial. Et qu'est-ce qu'on se rend compte vraiment, c'est que ce besoin initial-là est souvent mal défini. La raison de ça, c'est qu'une compréhension qui manque au niveau des limites, hein, de la technologie, autant au niveau du drone ou au niveau du LIDAR, au niveau
l'éducateur même, c'est quoi vraiment les limitations de cette technologie-là? T'sais, si on y pense un peu, le drone, c'est une nouvelle technologie. C'est pas une technologie qui est enseignée encore à l'école. Si on parle de données satellitaires, données acquises par hélicoptère, données acquises par avion, ça, c'est beaucoup des formations qu'il va y avoir dans vos cours en arpentage, en télédétection, en géomatique. Mais quand on parle du drone, hein, c'est pas du tout la même connaissance qu'on va avoir de la technologie. Hein, donc, ce qui arrive, c'est quand il y a un besoin qui est amené, puis que la personne veut un capteur, bien, cette connaissance qui manque au niveau de la technologie même, de ces limitations-là, nous amène à devoir vraiment poser des questions encore plus approfondies pour vraiment comprendre c'est quoi le réel besoin. C'est quoi vraiment la configuration qu'il y a besoin? Y a-t-il vraiment besoin de cette résolution-là? Et si oui, OK, bien, y a-t-il l'infrastructure informatique en arrière pour le supporter? Puis l'archivage, va-t-il être en mesure de le faire? Va-t-il avoir assez de système de stockage pour archiver la donnée? Fait qu'il y a toute une question c'est quoi le besoin, mais c'est quoi en arrière? Ça va vraiment varier de secteur d'activité. Hein. Si on parle avec tout le monde en foresterie, qu'on parle avec tout le monde en arpentage, dans des firmes de génie, conseil, ils ont tous des besoins très différents. Puis c'est là qu'on doit vraiment apporter un support pour vraiment bien définir ce besoin. Et même, ça va aller même plus loin que ça. Souvent, on va regarder avec le client c'est quoi le besoin, donc c'est quoi la résolution, la précision absolue, mais également c'est quoi la superficie que vous devez capter. Hein, parce qu'un drone, c'est pas les mêmes superficies, il va avoir des avantages, on va pouvoir atteindre des zones éloignées ou difficiles d'accès versus un hélicoptère qui va pouvoir faire des plus grandes superficies. Mais on va être quand même dans des plus petits territoires. Fait que la première question, c'est quoi les superficies que vous voulez couvrir par jour? Ça va avoir un impact sur l'altitude, sur la vitesse, ça va vraiment avoir un impact sur la configuration qu'on va fournir. Et on va les aider même jusqu'à, tu sais, à vraiment aller chercher les paramètres. C'est quoi les paramètres d'acquisition? Donc, ce qui va avoir un impact sur le temps de terrain, le temps d'acquisition, les logiciels utilisés pour obtenir vraiment le livrable désiré. Donc, c'est cette compréhension de la technologie-là qui a un impact sur vraiment le besoin initial des clients qui arrivent vers nous. Et donc, nous, on doit avoir, premièrement, des grilles de qualification assez robustes pour poser les bonnes questions, parce que c'est souvent des clients y arrivent, mais ils ne savent pas nécessairement bien qu'est-ce qu'ils veulent au niveau de la donnée. Fait que ça, c'est un des enjeux principaux, c'est la définition du besoin en raison d'un manque de connaissance de la technologie même du drone, du fait que ce ne soit pas enseigné nécessairement à l'école encore. Pour les formations, c'est plus dans des secteurs privés, à d'autres places pour obtenir les formations, mais il n'y a pas encore de la formation comme on va retrouver avec les autres types de plateformes, je dirais, de plateformes d'acquisition de données géospatiales. Donc pour moi, ma question, c'est, c'est quoi votre perception? T'sais, quand vous pensez au drone, là, c'est quoi la perception que vous avez d'un drone? C'est quoi de l'impact là, du drone, c'est qu'il y a beaucoup de marketing hein, qui est fait, puis qu'on va voir le drone comme on peut l'acheter chez Best Buy, on peut l'acheter dans différentes places, puis on va le voir comme un jouet un peu. Hein. Perception qui est un peu fausse, parce que c'est pas un jouet. Hein. Vraiment une compréhension du drone, puis de la complexité du drone, t'sais, ça prend des licences. Ça prend des connaissances en aéronautique, ça prend des connaissances très multidisciplinaires, autant en géomatique, en télédétection, en arpentage, même la photo même, hein, comment prendre une belle photo. Il y a beaucoup de connaissances multidisciplinaires. Qu'est-ce qu'on voit par le marketing? C'est que c'est souvent très, très facile, c'est pas cher, tu lances ton drone, tu captes la donnée, tu mets ça dans le logiciel, puis tu as un résultat. Donc, ça donne un peu une réputation X hein, du drone. Mais vous, votre perception à vous, là, quand on parle de drone, moi, j'aimerais ça vous entendre honnêtement, là, c'est comment vous voyez la captation de données par drone. C'est quoi votre image que vous avez actuellement? J'ai toujours une question à poser. Mais... Ah. Oui.
Ce que je trouve toujours intéressant quand je vois des images de drones du haut de la forêt, c'est toute l'hétérogénéité de ce qu'on voit en termes de surface forestière. Donc, on peut être à même de très bien voir les différences de hauteur entre les arbres. Et ça, c'est vraiment, vraiment très parlant. Moi, je travaille en écologie animale et je suis souvent à la recherche à l'intérieur de ce qu'on a classiquement vu avec les données de cartes forestières et de cartes numériques forestières, c'est que ce qu'on fait, c'est une généralisation, alors qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ce qu'on considère homogène sur une carte. Et cette hétérogénéité-là, elle est hyper importante pour les organismes qui vivent en forêt. Donc, c'est vraiment un apport remarquable de ce type d'imagerie. Merci, voilà. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient recasser la glace? Je pense que, en fait, en général, on sous-estime les temps nécessaires pour faire une capture d'informations. Et plusieurs universités sont dotées des drones. Quand il y a le temps d'aller sur le terrain, ça coûte cher. Et des fois, l'information n'est pas de bonne qualité. Il faut revenir. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance à ce niveau-là de la facilité à obtenir ces données. Et moi, je suis, en fait, je possède une, là, mais moi, je pense que pour la recherche, dans ce que j'ai fait, c'est plutôt l'utilisation des données que la capture. La capture en elle-même, il y a toutes sortes de défis dedans qui peuvent influencer la qualité de la donnée. Donc, c'est pas facile, c'est ce que je dis. Oui, non, exactement. Tu sais, c'est la base, hein, c'est comment qu'on acquiert la donnée, c'est quoi les bons paramètres de vol pour aller chercher telle résolution, telle précision. C'est souvent ce qui n'est pas compris, qui n'est pas enseigné, puis que le monde n'a pas... Ils n'ont pas le réflexe de le faire comme ça. Il faut vraiment une formation pour savoir comment le faire adéquatement. Puis c'est la base. C'est l'acquisition, ensuite, tu obtiens une donnée. Puis aussi, le traitement de cette donnée-là. Parce qu'on ne parle pas de même type de données. On a une résolution beaucoup plus fine. Donc, il y a la donnée n'a pas le même poids. Ça prend également une infrastructure informatique. Le temps de traitement ne sera pas le même. Le même temps, ça va être plus long. Fait qu'il y a comme une logistique, une compréhension de ça quand on décide de faire un choix. C'est ça qui manque. Hein. Cette connaissance-là de vraiment acquérir la donnée adéquatement pour obtenir vraiment l'information que vous recherchez. Est-ce que c'est... Autre personne? Oui. Ben moi, j'avais... c'est un commentaire, en fait. Moi, je suis issue du domaine de la génomique, et puis actuellement, je travaille sur un projet qui utilise à la fois la télédétection et la génomique. Puis je vois beaucoup de parallèles avec la génomique, où c'était un domaine qui, il y a quelques années, promettait aussi de grandes choses, et qui a livré aussi beaucoup de grandes choses, mais plus on s'y intéressait, plus on se rendait compte que c'était tellement plus compliqué que ce qu'on pensait, et qu'il fallait peut-être revoir aussi à la baisse un peu... ce qu'on pouvait déterminer avec la génomique, notamment avec les arbres, essayer d'identifier des gènes qui seraient responsables d'une bonne croissance ou ce genre de choses-là. Donc, je pense que c'est un peu ce qui se passe aussi avec la télédétection. C'est le dernier sujet à la mode. Ça a la capacité de fournir des réponses hyper intéressantes. Mais là, on est à l'étape où on réalise à quel point c'est tellement plus compliqué qu'on pensait. Oui. Et puis, il faut réfléchir ou redéfinir peut-être les questions puis les angles de recherche là, sur lesquels on veut travailler. Donc, c'était tout simplement mon commentaire. Ben exactement. Tu sais, puis c'est de prendre conseil avec, tu sais, aller voir des experts dans le domaine, tu sais, qui va vraiment faire une différence. Je parlais justement tantôt à Nathalie, puis elle me disait, quand on est malade, là, on va aller voir notre médecin. Hein. Puis on va demander à notre médecin qu'est-ce qui va pas. Bien, si on a besoin de données dans le milieu du drone, en télédétection, pour faire la télédétection, on va demander à des experts comment qu'on fait avant de le faire. T'sais. C'est le même principe. C'est ça que là, il manque. C'est que là, il y a des fournisseurs hein, de produits, il y a des distributeurs, mais il n'y a pas de personne à qui se référer pour vraiment avoir l'information. Donc, si on va voir un manufacturier
il ne va pas nécessairement avoir l'expertise opération terrain. Si on va voir une compagnie de service, bien, il ne va pas dire que c'est secret. Hein, il veut pas, t'sais. Si tu vas voir un distributeur, bien, il manque cette expertise-là parce que lui, il vend des équipements de ses partenaires manufacturiers, mais il n'a pas l'expertise non plus opérationnelle. Et c'est important d'aller voir les experts. Puis, je pense que les experts, c'est vraiment ceux qui ont fait de l'acquisition de données depuis longtemps, qui ont utilisé le drone et qui sont prêts à partager leurs connaissances. Puis là, vous pouvez avoir des bons outils parce que c'est plus compliqué qu'on le pense. Hein, puis c'est une fausse image que le marketing projette. Et c'est décevant parce que ça brise beaucoup les rêves, je dirais. Hein, parce qu'il y a plein de monde qui a eu des rêves d'avoir des drones, ils l'ont eu, puis ils l'ont craché. Ou tu sais, ah non, finalement, c'est compliqué, oh, merde, mon rêve est pété. Fait que là, tu sais, de revenir aux bases, comment qu'on le fait correctement, puis votre rêve va ressusciter, là. C'est juste une question de revenir aux bases. T'sais. Oui, moi, ça serait plus une perspective, d'après vous. On a vu qu'on a passé avec le LIDAR avec une seule fréquence, multifréquence avec le Titan. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut penser qu'on irait vers un hyperspectral, LIDAR hyperspectral? Ça serait quoi les avantages ou les gains d'aller vers ça? Bon, c'est sûr que si on y va avec un LIDAR hyperspectral, il y a quand même des complexités au niveau des paramètres de vol. Hein. Tu ne vas pas... la donnée. Okay, le poids de la donnée hyperspectrale, c'est nettement supérieur que bien des données. Pour avoir une bonne qualité de données également, il va falloir faire un recouvrement entre tes lignes de vol assez rapprochées également. Fait que aussi au niveau des opérations, c'est un peu limité. Il y a une belle perspective de données, tu sais, de qu'est-ce qu'on peut en faire après avec la donnée, mais il y a quand même une complexité au niveau des opérations puis l'archivage de cette donnée-là. Du poids de la donnée. Puis là, après, c'est la compréhension de cette donnée-là pour vraiment la traiter, puis vraiment aller chercher la signature spectrale que tu as besoin, puis pouvoir aller identifier ce que tu as besoin. L'hyperspectral commence au niveau du drone. C'est des équipements qui sont lourds. C'est un équipement, c'est une donnée qui n'est pas encore tout à fait mature là, au niveau de bête. Le drone n'est pas mature tout encore, là, on dirait, là, mais c'est quand même pas une donnée qui est quand même une certaine complexité à considérer quand on fait ça avec le drone. Autant au niveau des opérations que l'archivage de la donnée puis le traitement. Est-ce que ça répond bien? Il faut faire une distinction ici entre l'imagerie hyperspectrale puis l'IDAR hyperspectral ou multispectral. Comme tu le proposes, il y a des limites physiques quand même au LIDAR multispectral, parce que les LIDAR, c'est des lasers, et les lasers ne peuvent qu'opérer qu'à des fréquences spécifiques. On pense au vert, au rouge, l'infrarouge proche, puis un infrarouge un petit peu plus loin. Donc, c'est quatre bandes qu'on peut avoir assez facilement avec les lasers, mais de l'avoir hyperspectral, ça veut dire qu'on va faire du shifting dans la couleur. Ça, je sais qu'il y a des études là-dessus, mais là, on est dans la science-fiction, là, ici. Donc, on peut penser peut-être, comme le Titan, à trois bandes qui sont fort pratiques, on fait des indices, mais avant qu'on se rende là, je pense qu'on a une dizaine d'années facilement. Là. Mais comme Maud l'a mentionné, les capteurs hyperspectraux sont expérimentaux, c'est complexe, mais eux sont plus disponibles. Ils sont plus disponibles, c'est sûr. C'est certain que c'est pour des petites, je dirais pour des petites zones, c'est disponible et c'est réaliste. Si on veut faire des grosses zones, des grosses superficies, ça va augmenter. Les coûts vont être trop élevés versus un autre plateforme comme un hélicoptère ou un avion. Donc, il n'y a pas encore de marché intéressant tant que ça pour le drone, à moins que ce soit vraiment des petites superficies. Il faudrait peut-être relever une petite course qui existe présentement en télédétection, c'est d'identifier les essences d'arbres. Imaginez-vous, on a presque honte les télédétecteurs. On fait des super affaires, mais on n'est pas capable d'identifier les essences d'arbres individuels encore. Or, on a essayé avec l'hyperspectral, avec le LIDAR, puis je vous jure, c'est le Klondike, là, on essaie très fort, mais c'est pas encore en place. Puis c'est là où, par exemple, il y a beaucoup d'explorations avec l'hyperspectral, entre autres, pour déterminer, bien, quand on a une cartographie fine de la forêt, est-ce qu'on est capable d'identifier les arbres individuels? Chose qui est très naturelle, que l'on veut, mais même avec le LIDAR,
on voit les branches, etc., on se dit, ben, naturellement, moi je le vois, donc on devrait avoir des méthodes, mais non, il y a beaucoup d'impondérables qui fait que ces méthodes-là ne sont pas encore en place. Et de façon surprenante, oui, on calcule la biomasse, le volume, marchand, beaucoup de choses, le sous-bois, etc., mais les essences individuelles d'arbres, c'est encore un sujet vraiment en chemin. Ça aussi, c'est de la science-fiction. Si quelqu'un vous le promet, faites-moi suivre son téléphone, j'aimerais bien lui parler. Ça évolue très vite. Hein. Oui, ça évolue vite. Ça évolue extrêmement vite. C'est pour ça que c'est important pour vous, si vous êtes intéressé, de tout le temps vous informer sur où est-ce qu'on est rendu dans la technologie. Parce que déjà, il y a 2 ans, on faisait pas du tout la même chose que qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant. Puis je le vois déjà au niveau de la réglementation, la technologie qui avance. Dans 2 ans, ça va être encore une autre histoire. Donc, c'est assez intéressant de voir le potentiel de qu'est-ce qu'on est capable de capter avec, avec du lidar ou de l'imagerie aérienne. T'sais, là, présentement, nous, on arrive à faire du 1,5 mm de résolution d'image. Là, tu vois des vénures de feuilles. Là, c'est quelque chose là, au niveau de la résolution. Puis la pression, on est dans le 1 cm de pression relatif avec du lidar, 2 cm de pression absolue. Donc, c'est commence à avoir des intéressants, surtout la densité des points. Parce qu'un des avantages du drone, c'est qu'on va aller chercher une très haute densité des points. Alors, on va pouvoir parler de 400 à 1000 points par mètre carré. Donc là, ce qui est un avantage, quand vous créez vos modèles d'élévation de terrain ou de surface, bien là, vous pouvez vraiment aller comme un modèle d'élévation de terrain, c'est de la microtopographie là, que vous êtes capable d'aller sortir. Donc, c'est un avantage drone. Il faut le voir comme un drone, c'est un outil pour atteindre des zones qu'on n'est pas capable d'atteindre autrement, pour des plus petites superficies, puis quand on veut vraiment aller chercher de la qualité. On veut raffiner notre analyse à tel endroit. C'est l'outil qui est vraiment, c'est vraiment là qu'il y a un marché. Autre question. Il n'y a pas si longtemps, pour les drones, ça prenait un pilote, il devrait voir visuellement le drone. Est-ce que ces contraintes sont enlevés? Est-ce qu'on peut programmer des lignes de vol et puis l'envoyer qu'il fasse sa demi-heure ou son heure de vol? Ah, ça, j'ai une petite question que j'aime beaucoup. C'est vraiment, ouais, ma préférée. La réglementation est en train de changer. On est vraiment dans une période de transition. Le drone, ça s'appelle le visual line of sight. Hein, toujours avoir le drone à vue. Ça, c'est la réglementation qui a toujours été jusqu'à présent, Visual Line of Sight, qui est un peu limitant, hein, parce que tu fais un point de décollage, puis là, il faut toujours que tu gardes ton drone à vue. Fait que nous, c'est à peu près 750 mètres de chaque côté du pilote, OK? Fait qu'on fait à peu près un diamètre d'1,5 km. Puis on va voler autour. Après, il faut se déplacer, puis repartir le drone. Donc, c'est limitant, donc on peut pas faire des superficies aussi grosses, aussi grandes que si on pourrait perdre le drone de vue. Donc là, présentement, il y a de plus en plus de certifications qui étaient mises par Transport Canada pour justement faire des vols en beyond visual line of sight. Ça permet vraiment de partir d'un point de décollage, puis le drone y part, puis il y a toute la technologie qui permet de garder ça sécuritaire. Ça augmente énormément les superficies qu'on va faire parce que là, on part d'un point de décollage. On va couvrir énormément de terrain. Puis en plus, la technologie présentement, on a des drones à essence. Donc là, on n'est plus dans les limites de 15-30 minutes, mais on va voler 3 heures. C'est nous, notre leader qu'on fabrique, on a des drones à essence qu'on le met. On vole 3 heures et demie avec notre capteur, leader plus caméra dessus. Les superficies sont... C'est complètement autre chose. Fait que là, on devient de plus en plus, dans le fait, c'est la superficie se rapproche de plus en plus, sans l'aide d'un hélicoptère ou d'un petit avion. T'sais. Fait qu'on peut couvrir de plus en plus grandes étoiles. Au lieu d'être, avant nous, c'était 10 km carrés, si c'était en bas de 10 km carrés, le drone était plus rentable, okay, qu'un hélicoptère. Avec cette nouvelle réglementation-là et technologie, là, on est à 25 km carrés. Fait qu'au lieu que ce soit 10 km carrés et moins, c'est 25 km carrés et moins que c'est plus avantageux d'utiliser un drone. L'évolution de cette réglementation-là avance très vite. C'est encore par projet, il va y avoir quand même des contraintes à connaître et à comprendre. La foresterie, c'est, je dirais, tout ce qui est foresterie, zone éloignée,
c'est la place, les zones les plus faciles d'obtenir des permis. C'est quand on est proche des villes ou des citoyens, là, ça devient un peu plus compliqué, là, voire impossible dans certains cas aussi, d'avoir ce certificat-là. Merci beaucoup, Maude, c'est fort informatif. Fait qu'on va passer plutôt à Nathalie maintenant. Merci. Moi, je suis pas vraiment une télédétective, puis je suis pas vraiment une dans la locomotive, hein, comme Jean-François puis Maude. Là. Moi, je serais plutôt dans le wagon de queue, si je puis dire, mais tous les wagons sont importants, puis on a des passagers dans tous les wagons. Alors, attachez votre ceinture, on est parti. De mon côté, les enjeux que je soulève, c'est que le développement des nouvelles connaissances ou des nouvelles technologies, ça exige du transfert de connaissances et de la formation. Si on veut pouvoir utiliser ces connaissances ou ces technologies à leur plein potentiel, ben c'est nécessaire. C'est nécessaire aussi de limiter les attentes. Maude l'a dit, des fois on a des attentes irréalistes, hein? On brise nos rêves, ben c'est important d'avoir ces connaissances-là. Là, j'ai envie d'être un peu provocatrice ou baveuse, puis de me dire que les chercheurs puis les développeurs, c'est peut-être pas les meilleurs interlocuteurs pour assumer le rôle de transfert de connaissances ou de formateurs. Ils sont bien bons dans les universités, ils sont bien bons dans les conférences scientifiques, mais quand on arrive auprès des usagers, des utilisateurs, ils sont peut-être pas sur leur X. Ça exige un haut niveau de vulgarisation, ça demande beaucoup d'accompagnement auprès des usagers, puis ça prend aussi beaucoup de disponibilité. Moi, je me rappelle, puis là, quand j'ai vu Dan Nisha ce matin, ça me rappelait, hein, Dan, il vient d'entendre son nom, là, puis il se lève la tête. Quand j'étais dans l'industrie forestière, c'était le seul chercheur qui m'appelait chaque année pour dire « Nathalie, j'aimerais ça, je vais aller en Abitibi, puis j'aimerais ça te présenter les résultats des recherches qu'on a menées au cours de la dernière année avec mes étudiants. » Chaque année, il faisait ça. Est-ce que tu t'en rappelles, Dan, que tu venais chez Tembec pour ça? Mais il y a très peu de chercheurs qui font ça. Ils vont présenter leurs choses auprès des grandes conférences scientifiques, mais auprès de leurs partenaires financiers, des fois, il y a des lacunes à ce niveau-là. Comment on peut relever ce défi-là du transfert de la connaissance ou du transfert de la formation? Ben, un exemple que je vous suggère, dans le fond, c'est peut-être de vous tourner vers plus petit que soi, de vous tourner vers d'autres types de maisons d'enseignement, c'est-à-dire vers les centres collégiaux de transfert technologique, dont c'est une partie de leur rôle. Donc, puis là, je vais vous amener un exemple concret. Dans le fond, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, c'est ce qu'il a fait pour ce qu'on va appeler maintenant Opération LIDAR, dans le fond. Et puis, le ministère a mandaté le CERFO pour faire la promotion des produits dérivés LIDAR que le ministère produit, pour concevoir de la formation puis offrir du soutien auprès des utilisateurs là, du milieu forestier. Puis dans le fond, nous, ce qu'on a fait depuis en mai puis juin, ben on n'a pas mis nos bottes, mais on a pris notre téléphone ou notre Teams pour s'entretenir avec des utilisateurs actuels des produits que le ministère développe. Donc, on a conduit une quarantaine d'entrevues dans le milieu forestier auprès de planificateurs puis d'entrepreneurs généraux pour savoir comment eux utilisaient ces produits-là. Et puis, à l'issue de ces entrevues, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un utilisateur unique. Il y avait plusieurs types d'utilisateurs. Puis je sais pas jusqu'à quel point, en tout cas, le ministère a été quand même surpris. Là, d'habitude, là, je regarde Jean-François, mais d'habitude, c'est Antoine Leboeuf avec qui je discute. Ils ont quand même été surpris parce que nous, dans le fond, quand on a fait nos constats, on s'est rendu compte qu'il y avait trois types d'utilisateurs qu'on a appelés primaires, secondaires, tertiaires. Les utilisateurs primaires des produits LIDAR, c'est les planificateurs dans les compagnies forestières. Après ça, les utilisateurs secondaires, c'est les contremaîtres
qui font le suivi des opérations sur le terrain. Puis en dernier lieu, les utilisateurs tertiaires, puis là je veux pas être sexiste là, mais c'est le monsieur dans son abatteuse qui coupe du bois. Puis là, ben dans le fond, le monsieur là, dans son abatteuse qui coupe du bois là, lui, ce qu'il utilise de ce que le ministère a produit là, de ses produits dérivés LIDAR là, c'est rendu, moi j'appelle ça, puis ça fait rire Claudie Maud, là, je l'ai vu en arrière là à Harry, c'est vraiment du LIDAR homéopathique. Ça n'a plus rien à voir avec les données, le nuage de points LIDAR que le ministère a travaillé pour travailler en fournir des produits. Ça ressemble plus à rien, là. C'est une information que le monsieur il va avoir sur sa tablette dans son abatteur, tu sais. Puis ça nous amène à toute la chaîne d'utilisateurs, parce que le planificateur, lui, pour visualiser les données ou pour traiter les données LIDAR, il a besoin d'un ordinateur qui va plus se rapprocher d'une bombe pour avoir de la capacité de stocker des données, alors que le contremaître, lui, il va utiliser une tablette sur le terrain pour visualiser les cartes que le planificateur va lui avoir produites. Puis finalement, le monsieur dans son abatteuse, lui, tu sais, ça pourrait à la limite être son téléphone avec une carte très simple où il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que de toute façon, sa concentration va sur la récolte. Mais il veut savoir où est le mou sur le terrain pour pas enliser sa machine, où il veut trouver, il veut bien identifier les escarpements pour éviter de tomber en bas de la falaise. Mais ça n'a plus rien à voir avec le nuage de points, on s'entend. Donc, ça, c'était un exemple. Moi, la question que j'aimerais vous poser, ben, avant d'aller dans la question, quatre tranches de vie, témoignage. Il y a de cela 30 ans, quand j'étais à la maîtrise, débutaient les consortiums de recherche. Puis moi, je me souviens d'une rencontre au moment de la création d'un de ces dix consortiums de recherche, où on était rassemblés dans une salle où il y avait des chercheurs, puis il y avait des utilisateurs de la recherche qui étaient des industriels forestiers. Puis moi, à l'époque, je me suis dit, ah ouais, moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux être entre le producteur de la connaissance et l'utilisateur de la connaissance. T'sais. Je veux être un intermédiaire, un traducteur de cette information-là. Puis finalement, ben là, en venant ici, tu sais, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit, ah ben finalement, tu sais, j'ai fait pas mal ce que je rêvais de faire, tu sais, dans le fond, il y a 30 ans, tu sais. Donc moi, ma question, vous êtes tous des chercheurs ou des futurs chercheurs, j'aimerais ça savoir la proportion d'entre vous qui se destinait à autre chose que la recherche, mais à jouer ce rôle de traducteur-là. Puis moi, durant mon parcours universitaire, durant mon doctorat, puis là, je tairai les noms, là, mais je me suis souvent fait poser la question pour dire, mais pourquoi tu fais un doctorat si tu veux pas faire de la recherche? C'est du gaspillage, tu sais. Puis finalement, ben, tu sais, moi, après 30 ans, je me dis, ben, j'ai toujours bien gagné ma vie, j'ai fait ce que j'ai aimé, puis j'ai rencontré une diversité de gens vraiment intéressant. Alors moi, ma question, c'est parmi vous, qui se destine à faire autre chose que de la recherche? Ah, il y a une main qui se lève ici. Pour le micro? Ça s'en vient. Ouais, ben, ça peut être un sondage. Ben, ça peut être un sondage à main levée, puis après, vous pourrez parler. Donc, il y a juste une main dans l'assemblée. Une deuxième main. Troisième, ah, ben quand même, tu sais, il y en a plus qu'il y en avait dans mon temps. Ouais, OK, je m'attendais pas à devoir dire quelque chose, mais moi, dans le fond, je suis plus en début de carrière. Là. J'ai fait un doctorat en écologie des sols, puis là, je me retrouve à travailler dans le milieu forestier, vraiment dans le bas là, de toute la pyramide. Je travaille pour un regroupement forestier, donc en forêt privée. C'est ça, fait que le God Machine qui utilise le LIDAR, je vois c'est quoi. Puis c'est bien pratique. ouais, c'est ça. Bonjour. Donc, moi, je suis présentement à la maîtrise en biologie, mais je fais aussi à temps partiel un emploi au gouvernement fédéral, qui est à la base, finalement, simplifier des articles de recherche scientifique de nos chercheurs qui soient
au public. Puis, ça a été un processus assez vraiment difficile, surtout provenant d'un milieu scientifique, parce que simplifier un langage qui est très simple à comprendre pour nous est très difficile à comprendre pour une personne qui n'est pas du tout dans notre contexte de recherche. Fait que moi, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment important, donc de faire comprendre à des gens qui veulent utiliser ce que nous, on essaie de leur offrir d'une façon à ce qu'eux, ils puissent tout de suite l'appliquer sur leur dans leur réalité, que nous, on ne sait pas nécessairement finalement qui va finir par l'utiliser, mais au final, si c'est possible, que ça affecte les gens, mais moi, je trouve que c'est une super belle chose. Puis ça fait, comme tu dis, un peu le médium entre ce que nous, on peut leur offrir en tant que chercheurs, puis eux, ce qu'eux, ils font. J'avais levé la main tantôt pour dire que oui, je veux faire participer à transmettre, mais je veux aussi continuer à faire de la recherche. Je voudrais trouver un équilibre entre les deux. Je suis au MFFP pour le service de gestion des ravageurs forestiers. Puis je suis engagé comme analyste en télédec. Je suis comme en train de mettre en place le processus. Là, j'ai acquis une super belle base de données qui actuellement c'est moi qui la visualise puis qui la partage aux collègues, aux utilisateurs, mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment parce que le monde ne sont pas au courant. Fait, mon but, c'est de l'analyser, la peaufiner, la comprendre, avoir de la certitude par rapport à ça. Je peux me donner quelques années, mais à un moment donné, je vais me mettre en mode diffusion. Puis quand je vais être en mode diffusion, bien, je veux accompagner les gens beaucoup. Puis moi, par défaut, j'ai été professeur aussi avant ça. Ça fait, c'est la transmission, je vois ça comme un art qui est merveilleux et qui est nécessaire. Ça fait, j'encourage beaucoup les gens à mettre de l'effort dans ce transfert-là. Merci beaucoup. Merci Nathalie, c'était super intéressant. Moi, je pense que j'aurais une question peut-être à vous poser à tous les trois, là, vu qu'on a fait un tour. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec plusieurs équipes de recherche. Je travaillais un petit peu avec le ministère Jean-François. Je t'avais envoyé des mails une fois pour des densités de dénudés secs. Fait que j'ai dû plusieurs fois aller creuser dans des données de télédétection pour avoir des détails sur comment elles ont été produites, pour savoir bien les interpréter, pour pouvoir être sûr de ce qu'on peut dire. Et de mon expérience et de l'expérience de mes collègues aussi, ça peut prendre des semaines, voire des mois, des fois, de se plonger dans la méthodologie de comment des données ont été faites, de décrypter. Moi, j'ai des collègues qui travaillent avec les inventaires écoforestiers là, du ministère. Ça leur prend vraiment très, très longtemps d'aller comprendre, OK, c'est quoi ces colonnes, c'est quoi ces trucs. Et je sais qu'il y a déjà de gros efforts pour les personnes qui produisent les données de télédétection, qu'on soit des données brutes satellites aux données transformées et très transformées comme ce que fait le ministère. Mais ça a l'air d'être jamais suffisant en fait pour les utilisateurices. Quand on se retrouve nous à devoir mettre les mains dedans, qu'on ait fait de la recherche ou pas, c'est vraiment très compliqué. Il y a souvent un gros manque de métadonnées. On ne sait pas trop c'est quoi les 45 opérations qui ont été faites pour traiter ces données et arriver à ce qu'on veut. Le problème c'est qu'il y a souvent une de ces opérations qui va être critique pour savoir « Ah, est-ce que ces données, au fait, elles me disent vraiment ce que je veux ou pas ?» Et ça peut être vraiment un énorme temps perdu en recherche. Moi, ça m'est arrivé de passer 4 mois sur un truc avant de me rendre compte « Ah, il n'y a pas la donnée que je veux là-dedans. » Puis « Shit, c'est dommage, mais on m'avait dit que c'était dedans, mais en fait, c'est pas dedans. » Fait que la question que je voulais vous adresser à tous les trois, parce que vous avez des points de vue différents et je pense aussi des restrictions différentes. Vous êtes tous restreints par le temps et par des questions économiques, mais peut-être différemment. Est-ce que vous pensez que la production de modes d'emploi, de métadonnées, de graphiques, de visuels pour des utilisateuristes, c'est quelque chose d'important pour votre travail? Est-ce qu'on devrait payer plus de gens à faire ça, y donner beaucoup plus de temps? Ou est-ce que vous pensez qu'en l'état des choses, on est quand même correct? Si je peux parler là-dessus, les métadonnées, ça a toujours été quelque chose fait en dernier. Hein? C'est pas glamour faire des métadonnées. Même si, comme tu dis, c'est essentiel pour n'importe qui veut l'utiliser en toute connaissance de cause. Parce que c'est comme juste l'incertitude sur nos modèles numériques de terrain qu'on diffuse présentement.
présentement, on vous laisse dans le noir. Vous n'avez pas vraiment d'informations de métadonnées qui vous dit c'est quoi la précision réelle de cette donnée-là qui est utilisée à Grandeur du Québec. Puis la raison de ça, c'est qu'on ne le sait pas encore non plus nous-mêmes. Donc, on fait des travaux pour tenter de documenter ça puis pouvoir l'ajouter, mais c'est effectivement quelque chose qui est toujours négligé. Puis, bon, pour un paquet de contraintes, on n'a jamais assez de temps, on est toujours occupé par un paquet de choses, donc c'est toujours relayé, comme la documentation dans du code. C'est quelque chose, quand on fait de la programmation, on met des commentaires bourrés de fautes, des petites affaires, puis finalement, quand tu retournes à ton code 2 mois plus tard, tu ne comprends même plus. C'est ça, c'est le genre de truc qu'on doit tous individuellement comprendre l'importance, puis en tant qu'employé, si on est quelqu'un qui est en position de générer la donnée, de faire comprendre à la personne qui nous verse notre salaire que c'est important de passer un peu de temps à écrire, documenter justement c'est quoi, toute notre démarche, surtout, à mon avis, quand on travaille justement dans le public, puis qu'on donne la donnée ouverte. Le gouvernement, le ministère des Forêts, on a décidé de rendre beaucoup de nos données gratuites, donc c'est sur Données Québec, pour accéder à un paquet de choses. Il y a de la documentation, il y a des guides d'utilisation pour différents produits, mais c'est très variable. Puis je suis d'accord que si quelqu'un veut refaire la même démarche, mettons, pour générer le même résultat, je doute fortement qu'il puisse le faire avec aucun de nos produits. Il va avoir une bonne idée, mais il va avoir de l'interprétation. Mais ça, d'ailleurs, je me permets un commentaire aussi pour étant donné que des chercheurs. C'est un peu la même chose pour beaucoup de documents de recherche aussi. Des articles scientifiques où est-ce que qui, mettons, vont plus vers l'algorithmie, où est-ce que la démarche est expliquée, mais quand tu viens le camp de traduire l'article scientifique dans du code, tu te rends compte que, ici, il y a une incertitude, c'est pas clair, c'était le choix qui a été fait, donc on interprète qu'est-ce qu'on pense qui est la bonne chose, puis on continue, puis on n'a pas la certitude que finalement c'est la bonne chose qu'on a reproduit. Puis je vois différents niveaux de métadonnées, des métadonnées qui sont plus critique sur la démarche, qui peut être donc documenté, mais je vois aussi un autre niveau où est-ce qu'il peut être carrément sur le code utilisé pour générer la donnée. Maintenant, on fait plus grand-chose à la main. Je pense au ministère, peut-être la seule chose qu'on fait encore vraiment manuellement, si on veut, c'est le découpage des polygones écoforestiers, donc qui est fait par un photo-interprète. Mais après ça, il y a un paquet de code qui est utilisé pour corriger des erreurs, snapper des choses ensemble, pour tout ce qui est leader, justement, générer des modèles de terrain, on a toute une démarche, tout ça c'est codé, probablement c'est quelque chose qu'on ne diffuse pas. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais éventuellement qu'on diffuse aussi, pour augmenter la transparence, pour que les gens, les chercheurs comme vous puissiez critiquer nos méthodes, puissiez comprendre vraiment c'est quoi, puis comprendre où sont les limites, pour aller au-delà de simplement un document explicatif, qui passent, donc peut-être fois trop rapidement sur certains détails, mais qui peuvent être critiques finalement sur le résultat final. Personnellement, je considère que c'est extrêmement important, mais c'est quelque chose qui est difficile à vendre pour pouvoir passer le temps qu'il faut pour le faire. Il y avait une portion dans la question sur est-ce qu'on investit suffisamment dans le transfert de la connaissance puis la formation. Puis ceux qui me connaissent savent que je suis quand même relativement critique envers le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a été quand même mon employeur pendant 15 ans, je dois le dire. Mais dans le cas d'Opération LIDAR, franchement, là, le ministère a vraiment délié les cordons de la bourse, justement pour qu'on puisse mettre en place des formations, faire la promotion des produits, mais mettre en place un programme de formation. Puis on est en train de travailler, nous, à développer un programme de 8 formations sur l'utilisation des produits dérivés LIDAR pour amener le débutant à devenir un intermédiaire s'il le souhaite et l'intermédiaire devenir un avancé éventuellement. Puis tout ce qu'on est en train de faire, ce sera gratuit, ce sont des formations gratuites qu'on va rendre disponible sur un environnement numérique d'apprentissage qui va être accessible partout, à tous, en tout temps. T'sais. Fait que le but, quand on a fait des entrevues avec des enseignants, des centres de formation professionnelle, puis des enseignants des cégeps qui enseignent la technique forestière, puis ils disaient,
tu sais, toute l'information est disponible, mais elle est éparpillée un peu partout. Nous, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est un site où toutes les références pourraient s'y retrouver. Fait que nous, c'est pas tombé dans l'oreille de sourde. Puis, tu sais, c'est un peu ça qu'on souhaite faire, c'est rassembler des hyperliens. Pas dupliquer l'information, mais rassembler les hyperliens pour que ces enseignants-là puissent facilement diriger leurs élèves vers ça, qu'ils utilisent eux-mêmes le matériel pour se mettre à niveau, mais pour enseigner, puis former des futures cohortes de monsieur dans leur machine ou de contremaîtres sur le terrain ou peut-être de techniciens forestiers qui travailleront au ministère ou dans des compagnies forestières à mieux utiliser le LIDAR. Donc, c'est un exemple où le ministère a délié les cordons de la bourse assez généreusement, je vous dirais, puis on espère être à la hauteur des attentes, puis on espère que ça va faire une différence parce que le ministère souhaite qu'il y ait une démocratisation de l'utilisation des données LIDAR, puis on espère qu'on va rejoindre les gens par ces moyens-là. Il y a une main levée derrière. Dans les premières diapositives que M. Fournier a montrées, il y avait l'aspect temporel, c'est-à-dire est-ce que les produits LIDAR, modèle numérique de terrain, ça va, ça n'évolue pas beaucoup, mais celle de la canopée, y a-t-il une date de péremption, c'est-à-dire entre la prise de données, la diffusion, c'est quoi la période de temps, est-ce que vous corrigez même les hauteurs en sachant qu'il y a un délai de 5 ans, vous les faites grandir un peu? Ou vous mettez des bémols à dire que bon, mais le modèle de canopée est bon pour une dizaine d'années. Après ça, les hauteurs, il faudrait pas trop s'y fier. Hein. Il ne faut jamais oublier que c'est une prise de photo qu'on prend et que quand nous, on voit des photos d'il y a 5 ans, on dit « Hey, t'en rappelles-tu? C'est du passé! » À quel moment la prise de données LIDAR devient du passé, devient obsolète? Ben Martin, j'aurais pensé que tu aurais su ça. Je suis surpris. Tu travailles pas aux inventaires forestiers. Donc oui, il y a une date de péremption, bien sûr. La validation continue de pousser dès que l'avion est passé, ça continue de croître. Puis la péremption va être plus ou moins rapide, tout dépendant si on est dans le nord du Québec ou dans le sud du Québec, parce que bon, la végétation croît à des rythmes différents. Après ça, il y a justement des chercheurs qui peuvent faire des modèles de croissance adaptés à différentes régions, en fonction des conditions météo même, pour pouvoir estimer l'accroissement annuel de différents secteurs qui auraient été acquis par le LIDAR. Mais c'est bon jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire que peut-être qu'une prédiction dans les 5 prochaines années, ça se tient encore, 10 ans peut-être un peu moins, puis peut-être que 15 ans, il y a trop d'incertitudes pour pouvoir réussir à estimer serait quoi la hauteur réelle 15 ans plus tard. Donc, ça exige d'avoir une nouvelle acquisition pour pouvoir avoir une nouvelle image à jour de la canopée pour peut-être ensuite recommencer à faire un peu de modélisation pour estimer annuellement peut-être l'accroissement de la végétation. Ou déterminer s'il y a perturbation, bien sûr. C'est avec les cartes de perturbation annuelle. Y aura-t-il donc... Oui. Oui, bonjour. Ma question va dans le même sens. En fait, c'est la poursuite. C'est en fait de savoir à quelle fréquence comptez-vous mettre ces données-là à jour. Puis justement, est-ce que j'avais déjà entendu qu'on allait possiblement mettre à jour les produits dérivés de hauteur de canopée, mais justement vu que la forêt change. C'est ça. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez à quelle fréquence vous allez actualiser ces données-là? Puis, Présentement, notre objectif, c'est de pouvoir faire une couverture synchronisée avec l'acquisition de photographies pour la cartographie, donc le traitement de la carte écoforestière. Donc, de pouvoir à chaque année faire essentiellement le même 50 000 km² dans le fond d'acquisition LIDAR pour pouvoir mettre à jour cette canopée-là de façon très précise. Il y aurait moyen de faire de la photogrammétrie avec les photos acquises pour pouvoir avoir un modèle de surface pour estimer des hauteurs. Les premiers tests qu'on avait faits il y a quelques années donnaient généralement des résultats corrects, mais il y avait trop de cas particuliers où est-ce que ça dérapait trop à notre goût pour pouvoir juste se fier là-dessus. Puis aussi un enjeu de
d'acquisition, en sens où le lidar, c'est plus facile d'acquérir du lidar que de la photo. Parce que ton lidar, tu peux voler de nuit, même si tu veux, ta photo, tu peux pas. Donc, on peut réussir à couvrir un plus grand territoire durant une seule saison avec le lidar, potentiellement, que ce qu'on peut faire avec la photo. Donc, les détails ne sont pas encore bien définis jusqu'à présent, mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire une mise à jour. Donc, essentiellement, avoir une mise à jour aux 10 ans, parce qu'on fait à peu près le 10e du Québec à chaque année. Merci. Je me permets une petite question. Il y a eu des débats à un moment donné en disant que la donnée lidar allait servir de donnée de référence et que la donnée de continuité dans le prochain inventaire pourrait être, par exemple, de la photogrammétrie, juste pour voir le dessus de la canopée, en utilisant le modèle numérique de terrain qui, lui, ne changera pas. Quelles en sont les discussions à ce niveau-là? Nos premiers tests qu'on avait faits n'ont pas été seulement concluants à notre goût pour pouvoir dire qu'on allait se passer de l'heure pour faire une mise à jour de la canopée, pour faire par photogrammétrie, donc avec les photographies aériennes. C'est quelque chose qu'on pourrait revisiter parce que bon, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution sur les capteurs lidar, mais il y a de l'évolution également sur les capteurs photographiques, puis aussi les algorithmes aussi continuent de s'améliorer. Donc c'est quelque chose qui serait pertinent qu'on regarde de nouveau pour voir si maintenant ce serait plus une option valide. Mais le lidar apporte quand même une information plus définie. C'est une mesure vraiment qui peut quand même pénétrer aussi le couvert forestier. Donc on peut avoir peut-être de l'information à l'intérieur sur la structure même de l'arbre. Puis l'aspect aussi de possibilité d'acquérir la donnée durant la nuit, durant une plus grande plage aussi, c'est quelque chose d'extrêmement critique, qui est très souhaitable pour nous parce qu'on a vraiment des gros problèmes d'acquisition en fait, de photos. On ne réussit pas notamment toujours à avoir 100% de ce qu'on veut à chaque année. Donc ça peut faire en sorte que ça peut causer des gros décalages sur tout le reste des territoires, les années suivantes qu'on veut acquérir. Donc on penche plus pour l'instant à avoir du lidar pour faire la mise à jour, pour s'assurer justement d'avoir cette mise à jour-là qui serait à chaque 10 ans. En fait. Y aura-t-il une dernière question, une dernière chance? Faire travailler Tech un petit peu. Est-ce que vous avez regardé, parce que la NASA, dans la dernière année, avait lancé des données lidar satellite avec la satellite Jedi, ça pourrait être, il va sûrement voler au-dessus du Québec, puis il y aurait une façon d'adapter. Disons que le hotspot d'un Jedi, même si c'est le nom de Jedi, c'est pas mal plus gros que le faisceau qu'on va avoir en lidar par drone, mettons, ou par avion. Donc, les Jedi est vraiment plus approprié pour avoir une information normalisée à l'échelle planétaire. Si on veut faire, par exemple, les calculs de biomasse, c'est quelque chose qui est intéressant parce que je ne sais plus c'est quoi la taille de l'empreinte ou ça. Je ne sais pas si. 60 mètres. 60 mètres. C'est ça, c'est énorme. Donc, ça donne un indice quand même de la hauteur, mais si on veut vraiment mettre à jour quelque chose de justement précis pour que ce soit utile pour, disons, être un praticien pour évaluer les endroits où il peut y avoir de la coupe, évaluer l'impact d'hauteur d'arbre par rapport à telle espèce faunique, on aurait trop une grosse imprécision pour utiliser ce genre de méthode-là. Mais par contre, pour d'autres choses, peut-être plus globales, comme justement des calculs de biomasse, puisque aussi, notre lidar, on ne le prend pas à la grandeur du Québec, on l'arrête à la frais commerciale. Donc, mettons, toute la base Côte-Nord, on n'a aucune information de ce niveau-là. Donc, peut-être que ce genre de capteur-là pourrait être utilisé pour faire des estimations de ce côté-là du Québec. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier nos panélistes qui ont bien exposé certaines perspectives et répondu à vos questions. Fait que peut-être une main d'applaudissement pour nos panélistes. On a voulu mettre en évidence les défis, les enjeux, mais on a voulu vous éclairer comment on faire la bonne télédétection, devant devenir des bons télédétectives. Alors, j'espère que ça leur a aidé dans ce sujet-là. Merci beaucoup.